Allez, l'objectif de cette vidéo, c'est de parler un petit peu de ces produits-là de chez Revell, qui sont en fait des maquettes, qui ont l'avantage d'être des easy build. Donc vous allez voir que c'est extrêmement simple à monter, hein. On voit qu'il y a très très peu de pièces en fait. Ça se trouve sur Amazon, je vous mettrai les liens sous la vidéo si vous voulez les commander. Et donc l'avantage en tout cas de ces LA, mais on y reviendra sur plusieurs vidéos avec d'autres produits, c'est que ben, ils sont parfaitement à l'échelle de Star Wars Légion. Donc l'échelle en question, c'est du 1,48, donc c'est sensiblement en fait la même échelle que Star Wars Légion, hein, comme je vous disais. Alors là, j'ai extrait en fait un pilote. Donc vous voyez, ça c'est le pilote d'un autre LA que j'ai déjà monté. Et lorsque l'on compare avec Krennic, bon ben on se rend compte que voilà, le visage est de la même taille, que le buste est sensiblement de la même taille. Bon alors en l'occurrence pour le pilote, les jambes sont très longues, mais si le pilote était levé, en fait était debout, il aurait des jambes incroyablement trop longues en l'occurrence. De ce côté-là, il y a une erreur de taille. Mais quand on compare en fait à la fois le buste et le visage, on se rend compte qu'on est vraiment sur les mêmes échelles que le jeu. Donc c'est super intéressant parce que c'est des maquettes qui vous permettent de faire de très 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 beaux décors de parties et ce à moindre coût. Alors on va le monter ensemble et puis je vais vous montrer également deux trois méthodes de peinture. Deux, trois méthodes de peinture assez simples pour pouvoir obtenir un résultat comme celui-ci. Voilà, là on est sur la version bleue, il y a une version rouge et une version bleue. Et donc ben, vous voyez qu'avec quelques méthodes vraiment vraiment simples hein, de la vie vous allez voir, on essuie après, on obtient un vaisseau qui tout de suite a une gueule qui envoie. Et sur la table, ben, c'est vraiment sympa. Vous pouvez poser vos figurines à côté et voilà, ça a du rendu. On a vraiment un vaisseau qui est à la taille exacte des parties. Ouais, c'est un vaisseau que vous avez déjà vu hein, sur de nombreuses tables, notamment sur les tables de Star Wars Légion France, le rouge en tout cas. Et je vous propose dans une petite série comme ça de voir toutes les maquettes et puis de voir les erreurs à ne pas commettre puisque on verra à la fin de cette vidéo que par exemple bah, le Jedi Starfighter il n'est pas du tout à l'échelle, il est beaucoup trop petit. Allez, je vous propose qu'on ouvre et qu'on regarde ensemble le contenu. Alors ça se sort quand même un peu tout seul. Hop. Un truc au fond. Voilà, donc il y a des systèmes de compartiments. Bon, il y a le bouquin évidemment pour monter, on y reviendra. Voilà, donc il faut savoir que c'est pré-peint, hein. Donc en fait, il n'y a quasiment rien à faire pour la peinture. Tout est déjà fait. Donc là, on a le corps. Okay. Ici, on va retrouver le module. Alors, le module, ça peut être intéressant de le peindre. Moi, je ne l'avais pas fait sur le bleu. Il faut savoir que c'est du clip en fait. Donc, si vous pouvez monter le vaisseau et puis ensuite le déclipper a posteriori. Et puis, vous avez un système de piles. Hop, comme ça, vous pouvez enlever et puis ça va vous faire briller les réacteurs. Alors, on verra ça à la fin. Allez, on va le monter ensemble. Vous allez voir. C'est extrêmement rapide. Ah tiens, je découvre que sur le LA rouge, le perso est peint. C'est vache pour ceux du bleu. Alors c'est du clip, hein, donc c'est super facile à monter. On va commencer avec la verrière juste ici. On va venir clipper là-dessous. Voilà. Après, on va venir mettre les systèmes de réacteurs de chaque côté. On vient poser le corps ici.
tout se pose facilement, idéalement, automatiquement. Si vous devez forcer, c'est que vous êtes planté. Donc à aucun moment vous ne forcez, c'est vraiment du clip. Après on vient là, on ajuste les réacteurs et on pousse. Vous en avez pour allez 5 minutes à monter le vaisseau. Hop là, voilà, le vaisseau est terminé. Alors bien sûr là il est brut de déco. Alors je trouve que brut de déco, il a quand même déjà bien de la gueule. Franchement, on pourrait s'arrêter là. Mais je vais vous donner quelques astuces pour obtenir ce résultat là sur votre LA. J'ai l'impression quand même que c'est plus sympa d'avoir un LA dans cet état là que un LA tout neuf comme ça, tout propre. Après ça se vaut, hein. Mais on pourrait effectivement s'arrêter là avec vos super réacteurs qui bougent. Voilà. Et puis derrière, en dessous, les trains d'atterrissage qui se replient. Belle pièce. Allez, on va passer au conseil peinture. Alors, pour obtenir cet effet là vieilli sur le vaisseau, il va falloir me faire confiance et pas avoir peur. Ok, on va prendre son LA. Ne vous inquiétez pas si ça brille un petit peu, j'ai mis une feuille plastique, c'est pour protéger mon fond vert, mais bon, pour l'instant je pense que j'en ai pas besoin. Je vais l'enlever parce que je suis sur un fond vert. Donc, on va prendre son LA. Au niveau du matériel, vous avez besoin d'un shad. Alors, vous pouvez utiliser soit celui de Prince Auguste, soit celui de Citadel. Celui de Citadel étant beaucoup plus couvrant que celui de Prince Auguste, de Valero. J'en ai acheté deux, j'arrive à rien en faire en fait de celui de Valero, tellement il n'est pas couvrant. En fait, la pigmentation, elle retombe hyper vite. Vous allez avoir besoin d'un pinceau pour déposer votre shad. Vous allez avoir besoin d'un diluant. Ça, c'est un diluant pour les airbrushs, en fait. Très simplement. D'un tourchon. Et éventuellement, pour des petites retouches, d'un coton-tige. Et la première étape, c'est de remuer son shad comme il faut. C'est d'aller en chercher, mais comme un porc, dedans. Et de recouvrir. On va faire que le dessus. Ouais, on va faire que le dessus pour cette présentation. Mais c'est de recouvrir un maximum votre vaisseau. Alors, ce qui se passe, c'est que là, il n'a pas été pré-peint. Vous allez aller chercher toutes les interstices sans forcément vous poser la question de ce que vous faites à côté. Ne vous inquiétez pas, ça va bien le faire. Donc vous voyez là, ce qu'on va faire, c'est combler en fait toutes les interstices du vaisseau. N'oubliez pas que si vous peignez perpendiculaire, ça se fixe mieux que si vous peignez dans le mouvement. Voilà, vous avez intégralement recouvert votre vaisseau avec du shad. La deuxième étape, elle est plutôt simple. Vous laissez sécher. Si vous n'avez pas envie d'attendre trop longtemps, eh ben, vous prenez un sèche-cheveux et vous balancez du sèche-cheveux dessus. Donc comme moi, je suis un gros impatient de merde,
Je suis allé passer un coup de sèche-cheveux. Donc, concrètement, là, le vaisseau, il est foutu, hein. On est d'accord. Mais non. Hop, un petit coup de diluant, vous me voyez venir? J'imagine que vous me voyez venir. On va se débarrasser de ce qui accroche. Hop, allez, on retire les trucs du vaisseau, les canons qui pourraient accrocher. Vous mettez du diluant sur votre torchon. Et puis là, vous me voyez venir, vous pressez un petit peu, mais pas trop. Et là, c'est magique. Vous avez votre vaisseau qui reprend une activité normale. Alors vous pouvez en laisser un peu en vous disant ça fera du caca. Mais normalement le caca on le fait voyez. Cette partie-là, je vais la laisser, elle est bien, elle est belle, elle est bien coulée, je vais la laisser. Par contre, là-dedans, c'est pas beau. Je rattraperai. Donc là, vous voyez, vous avez un vaisseau où tous les interstices, finalement, ont été comblés. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est peaufiner. Avec le coton-tige, genre, vous voyez par ici, j'ai pas pu aller là où il fallait. Je vais venir chercher avec le coton-tige parce que je ferai mon cockpit autrement que comme ça. Chercher les pièces qui sont là au milieu. L'idée en fait de cette démarche, c'est pas de vieillir la coque, c'est juste de venir combler les interstices en fait. On vieillira la coque autrement. Voilà. Ici, c'est pas net. Venir chercher ici aussi. Voilà, celle-là, je la laisse parce que je la trouve. Cette partie-là, je la laisse, je la trouve pas mal. Voilà. Ici aussi. Voilà. Donc ensuite, ce que vous avez, c'est des endroits où, eh ben, c'est pas bien comblé. Donc là, vous venez faire du sélectif. Donc vous reprenez votre pinceau, vous reprenez votre shad. Voilà. Et puis là, vous avez tout à fait la possibilité de faire du sélectif. C'est-à-dire que vous venez déposer le shad là où vous voulez. Une fois que c'est fait, vous essuyez avec le doigt comme ça. Et l'avantage, c'est qu'en essuyant avec le doigt, au pire, vous allez laisser une petite trace. Ça fera une petite trace de vieillie qui ne sera pas aussi conséquente que si on l'avait fait la première fois. Mais ça, c'est si vous avez décidé de chipoter. Oui, tac, voilà. Là, c'est pas cool parce que là, vous avez des interstices qui s'arrêtent. Il faut pas, quoi, hein, pour que ce soit. Si une interstice est comblée, il faut qu'elle le soit jusqu'au bout. Là, par exemple, j'ai tous les réacteurs qui sont faits sauf le dernier, toutes les évacuations d'air qui sont faites sauf la dernière. Alors là, par contre, j'hésite pas à bien charger. Je vais aller en rechercher, livrer. Voilà. Bien changer ces zones-là. Voilà. Ça me permet d'avoir une deuxième lecture de ma pièce en plus. Je me rends compte que ici, c'est pas très propre. Voilà. Puis que ici, j'ai un peu raté aussi.
Voilà, donc bien évidemment, vous faites ça recto et puis verso. Hein. Et ça, c'est, je ne l'ai pas fait tout de suite parce que je trouve que c'est un bon moyen de vous montrer. Voilà à quoi ressemble la pièce si on ne le fait pas. Et voilà à quoi elle ressemble quand on le fait. Donc je pense que ça vaut largement le coup d'être fait. Vous pouvez le faire ensuite sur les canons, avec exactement le même principe. Vous mettez du shad et ensuite vous frottez pour faire sécher. Au niveau des réacteurs, là je l'ai fait aussi, je me suis permis de passer un petit peu d'argenté sur les tuyères qui sont là, sur les parties qui sont là. J'ai pas fini, hein, je vais encore passer un petit peu de chat pour salir tout ça. Ici, là aussi, il y a deux, trois choses à faire. C'est la fameuse pièce qui a été changée et qui n'est pas de la bonne couleur. Vous voyez, là, j'ai mis des pièces qui sont pas de la bonne couleur, en fait, changer des pièces. Ça se fait pas mal dans Star Wars. Donc, n'hésitez pas à le faire. Faites attention au moment où vous posez le chat de ne pas le poser ici, là, dans cette partie-là, parce qu'en fait, ça, c'est le micro. Enfin, c'est pas le micro, c'est la baffle de votre son de vaisseau. Donc vous risquez de la foutre en l'air. Après, tout simplement, sur l'avant du vaisseau, vous faites un petit brossage dans ce sens-là. Et puis, enfin, les explosions qui sont ici, c'est plutôt simple à faire. Vous prenez un pinceau que vous émouvetez comme ça un petit peu. Vous mettez de l'argent dessus, de l'argenté. Et puis, vous venez en fait donner un coup très sec comme ça. Tac. Tac. Tac, ça vous fait des impacts. Et ensuite, vous le refaites par-dessus avec du noir. Les chances pour que vous tapiez pile poil au même endroit sont faibles. Et du coup, ça donne un effet vraiment excellent. Vous remettez du noir à la place et vous faites tac, tac, tac. Voyez mon pinceau, il s'ouvre au moment où je le pose. Et en fait, en le faisant, il fait ce genre, il fait ce genre d'impact. Bon, je pourrais le faire là, mais bon, entre le faire avec ou sans peinture, c'est exactement le même effet. Et puis ben voilà, vous avez fini votre LA pour votre table. Alors bien évidemment, hein, ce qu'il faut faire et que moi j'ai pas encore fait, c'est peindre l'intérieur. Mais pour ça, si vous l'avez, si vous avez été impatient, eh ben vous l'avez vu, démonter le vaisseau et puis repartir sur cette zone-là. Vous pouvez ajouter votre pilote ou pas, ça c'est à vous de voir. Mais je pense que quand on en est à ce stade-là, vous n'oubliez pas de faire vos trains d'atterrissage avec un petit peu d'argenté et puis un petit coup de la vie noire. Et puis voilà, vous avez votre figurine de table, enfin, votre décor de table qui est terminé. Vous n'avez plus qu'à vous construire une belle base pour poser tout ça. Et bah, on peut imaginer un scénario avec des rebelles, mais ces vaisseaux, ils vont pour tout. Hein, si vous faites un scénario avec l'Empire, on peut dire que c'est des vaisseaux qui ont été capturés, qui ont été saisis par l'Empire. Ce que vous pouvez également faire, c'est rabattre un train d'atterrissage, incliner le vaisseau comme ça, et puis dire que ce vaisseau-là s'est crashé. Comme ça, en fait, il est posé incliné, vous pouvez le mettre en crashé comme ça. Voilà, c'est tout pour cette présentation des LA de Revell. Je vous ai montré comment le monter en 5 minutes chrono, comment le salir un minimum en beaucoup moins de temps que ça. Faites-vous confiance, n'ayez pas peur, ça marche très très bien. Juste un petit retour parce que j'ai des gens qui me l'ont conseillé. J'ai également acheté le Starfighter, mais alors il s'avère que le Starfighter est vraiment trop petit, c'est du 1,58. Je pensais que ça porterait pas préjudice. Mais il va vraiment être minuscule, quoi. Pour le coup, le pilote qui est à l'intérieur, en l'occurrence là c'est Obi-Wan, il est deux fois plus petit, vraiment, hein, deux fois plus petit que le perso du LA. Donc le vaisseau est deux fois plus petit, déjà que le Starfighter là en question est assez petit, mais là ça fait vraiment ridicule, il fait à peine la taille d'une motojet, quoi. Donc je ne sais pas ce que je vais en faire, bien entendu je vais le monter. Je vous ferai deux, trois, je vous montrerai deux, trois images sur les réseaux sociaux pour vous montrer ce que ça fait sur une table. Si je vois que c'est pas intégrable, ce que je ferai peut-être, c'est que je l'exploserai et j'en ferai un vaisseau crashé sur un décor crashé avec du plâtre et des choses comme ça.
Voilà, on y reviendra ou pas. Les prochaines vidéos sur ce sujet, elles seront sur le T47 de Revell, que je vais également vous présenter, qui est en l'occurrence celui qui a été acheté par FFG pour vendre le vrai T47, à part qu'il est lui à quelque chose comme 6 euros, je crois. Je l'ai acheté 6 euros, moi le mien. Donc là, c'est pareil, il est à la même échelle, il est à la bonne échelle. Je vais en faire un décor de table. Et puis j'ai également commandé un quadrupède impérial qui est en échelle 1,50, donc c'est légèrement en dessous de la réalité de Star Wars Légion, mais on va voir si c'est quand même intégrable ou pas. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite de bons jeux et puis surtout de bons coups de peinture, parce qu'il n'y a que ça pour avoir une belle table bien immersive. À très bientôt, ciao!